1, 3, 4. Tu peux repartir. Ouais, je sais, après vous coupez de toute façon. Moi, c'est Paul Bourgoin, je suis en CAP boucherie, circuit un an individualisé au CFA Val-de-Reuil. Et mon entreprise, c'est Carrefour et Trépanier. J'ai été en ST2S, donc en bac technologique, à Nicolas Barré, à Médine-Lénard. Et j'ai fini par un BTS MUC au CFA Marcel Sauvage, à Mont-Saint-Aignan. Du fait que j'ai fait un BTS MUC, j'ai le côté managérial et j'aurais voulu avoir vraiment la pratique de la boucherie pour ensuite devenir manager boucherie. Donc tout ce qui va être général, je ne vais pas l'avoir. Je vais avoir vraiment que le professionnel. Donc pouvoir me concentrer vraiment sur la pratique et la technologie, étudier tout ce qui va se rapprocher de la boucherie. Donc voir en une seule année tout ce qu'on doit voir sur un programme de 2 ans normalement. C'est pas parce qu'on a un diplôme supérieur et que là on rétrograde et qu'on fait un CAP qu'il faut en avoir honte. C'est pour que tu sois heureux plus tard, donc n'hésite vraiment pas à le faire, lance-toi dedans. Pour peu que tu aies de l'investissement personnel, tu peux vraiment t'en sortir. Tu as des gens qui vont te suivre tout au long de ton parcours. Je sais que ça peut être dur de trouver un apprentissage, mais déjà on peut se raccrocher au CFA. Le CFA peut trouver un employeur et la démarche de l'entreprise est super importante. Il faut vraiment voir dans quel milieu on va évoluer. Moi, je sais qu'au sein de Carrefour, j'étais très bien, j'étais bien accompagné, j'avais des personnes derrière moi et c'est pour ça que je les ai choisis sans hésiter.